Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. À tous et à toutes, bonne matinée de ce mardi 23 novembre de l'an en cours, lequel va se terminer d'ailleurs. Je reviens pour m'adresser à mes frères Baluba. Les nouvelles qui nous parviennent du Kasaï oriental et de l'autre Kasaï aussi, mais surtout du Kasaï oriental, ne sont pas bonnes. Les villages, les villes s'évitent de ces populations. Tout le monde fuit. Tout le monde est en débandade pour se réfugier dans des provinces avoisinantes ou même lointaines. Mes très chers frères Kasaïens, Luba, au lieu de passer le temps à se taper la poitrine, à être content que vous avez cette fois-ci saisi le pouvoir et vous voulez le garder éternellement peut-être, cherchez plutôt le mécanisme de pouvoir vous sécuriser dans votre province ou dans vos deux provinces. On ne peut pas prendre le pouvoir et ne pas savoir comment le gérer ou satisfaire les desiderata de la majorité de la population. Ça ne sert à rien. C'est du fanfaronnade inutile que vous faites. Ah ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes au Kasaï? Comme vous aimez tant la Bible, et quand je parle, je me réfère souvent à certains passages bibliques, ce n'est pas parce que je suis chrétien, je ne le suis pas, malheureusement, je l'ai été dans mon enfance, mais parce que vous voulez vous présenter comme étant les plus croyants et les plus christianisants, j'utilise certaines illustrations de la Bible. Eh bien, la Bible nous raconte une histoire tragique entre deux frères, Caïn et Abel. Caïn le méchant, le jaloux, Abel le juste. Le travailleur et l'honnête. C'est une histoire très malheureuse, mais aussi qui illustre combien le soi-disant tout-puissant Dieu a failli à sa mission de protéger les justes. Dieu a su que Caïn allait tuer son frère, mais il n'a pas averti son frère pour qu'il puisse prendre des dispositions, fuir ou peut-être être vigilant pour qu'il s'évite la mort. Mais par contre, Dieu a été complice de cette mort et le juste Abel a été tué. Ça nous montre aussi comment, quand quelqu'un poursuit un objectif, en utilisant certains mécanismes, certaines tactiques, il atteint ses objectifs. Eh bien, Abel a atteint son objectif d'éliminer physiquement son frère. C'est un acte négatif, mais comme je viens de le dire, qui nous montre que quand on poursuit un objectif pour résoudre un problème et qu'on utilise un mécanisme, de bons mécanismes, on l'atteint toujours. C'est ce que les impérialistes utilisent pour atteindre leur objectif de spoliation, de pillage, d'enrichissement personnel. Ils n'hésitent pas à massacrer les gens. Et c'est ce qui justifie l'impérialisme des Occidentaux. Ils sont allés partout et ils ont zigouillé les gens partout.
pour qu'il s'enrichisse, pour qu'il soit mieux. Donc, quels que soient les moyens utilisés, quand on veut atteindre un but, on l'atteint. Quand on est déterminé, comme Caïn l'a fait. Très cher frère Kassayan, pour résoudre le problème du Kassayi, la solution est unique. Il faut tuer Félix Tshilombo. Quelques-uns parmi vous sont dans sa première ceinture de sécurité, à part peut-être les Rwandais et les Juifs qu'il protège. Vous qui êtes dans sa ceinture la plus proche, tuez-les. Faites ce que Caïn a fait pour résoudre les problèmes, parce qu'il n'y a pas de grande honte que de vous voir devenir transhumain. Vous fouillez votre terroir pour vous réfugier ailleurs, alors que vous avez un chez vous. Une belle terre, la terre kassayenne, que moi je connais. Mais vous fouillez vos villages et vos villes parce qu'il y a faim, parce que vous n'êtes pas sécurité, enfin sécurité, excusez-moi. Mais c'est lui qui gouverne, c'est votre fils, c'est votre grand frère, c'est votre neveu, c'est votre oncle. C'est lui que vous appelez le premier commandant suprême d'une armée presque qui n'existe pas congolaise. Sa suprématie ne se fait pas voir au Kassai. Elle devait vous protéger. Il ne le fait pas. Il n'y est jamais arrivé d'ailleurs. Vous-même, vous connaissez pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas. C'est parce qu'on l'accuse d'avoir tué son père, lui de connivence avec sa maman. C'est pas moi qui vous le dis. Ça se trouve sur le net. Oui, vous allez toujours demander, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Les preuves sont là. Il va bientôt totaliser 3 ans illégalement au sommet de l'État. Il n'est jamais arrivé dans son terroir. Même pas aller honorer la mémoire de ses ancêtres. Il ne l'a jamais fait. C'est parce qu'il se rapproche de quelque chose. Alors, la solution, pendant que nous nous battons contre lui et contre les occupants avec qui il est complice, c'est vous, le Kassayen, qui devez aller au front d'abord. Débarrassez-vous de lui. Vous êtes plus près de lui. Vous mangez avec lui, vous buvez avec lui. Vous dites que vous êtes plus sorcier que n'importe quel autre peuple au Congo. Mais utilisez la sorcellerie pour le tuer. Encore dans la Bible, votre superstar Jésus-Christ avait dit que si votre main ne vous aide pas à prendre quelque chose, à vous agripper nulle part, vous devez l'amputer. Si votre œil ne vous sert pas à voir, vous devez l'enlever. C'est méchant, mais que voulez-vous? À quoi ça sert de posséder un outil qui ne vous aide pas à faire un travail quelconque? C'est pareil avec la présence inutile d'un bulldozer sexuel avare et goinfre, comme Félix, qui passe son temps à manger des pieds de poule, à se faire filmer, photographier en train de prendre deux verres de vin, pendant que la population est massacrée au Kassai. La population est massacrée à l'Équateur. La population est massacrée à l'est du Congo. Il échange des signatures où il donne des parcelles de pouvoir aux Rwandais sous prétexte de faire la paix avec eux. C'est quel genre de président ça? De qui vous êtes fier?
Vous allez pouvoir la biso baloba. Mbalao zale biso. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est pire que le Kalambe qui était là. Parce que à sa prise du pouvoir, les Congolais avaient l'espoir que peut-être non, parce que Azali Mwanamboka, quelque chose va changer. En disant qu'il est pire que Kabila, je ne veux pas dire que j'invite Kabila de revenir au pouvoir. Mais c'est seulement une honte et une grande déception pour nous tous, Kassaïens ou non Kassaïens. Mais alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est le tuer. C'est ce que vous devez faire, vous les Kassaïens. Au lieu d'être content des nominations, vous vous nichez dans des bureaux administratifs à Kinshasa. Vous polluez la ville de Kinshasa avec des motos. Et vous êtes content qu'on vous appelle des Wewa. Ce phénomène de Wewa, la majorité, à 95% des conducteurs de motos, ce sont les Kassaïens. Ce sont des jeunes qui ont quitté chez eux pour s'exiler à Kinshasa, où ils croient trouver une ave de paix. C'est une honte pour vous. Ne pensez pas qu'il y a un gouvernement Luba au Congo. Nous sommes tous occupés. Et vous, en vous tapant la poitrine, vous vous leurrez. Parce que nous souffrons tous. La présence de votre frère à la tête du pays, c'est du néant, comme je vous ai dit la fois passée. C'est le traître et le néant. À l'époque de Mobutu, nous avons été émerveillés par nombreux Baluba en qui on dédiait des chansons par des musiciens, les plus grands diamantaires du Congo. Mais où sont tous ces Baluba pour acheter des armes et armer la population pour que les populations puissent se défendre? Que faites-vous de l'argent, de tous ces diamants que vous avez vendus ou que vous avez chez vous? Mais armer la population, imiter ce que les autres font ailleurs dans d'autres pays. Et ne pensez pas qu'il y a un gouvernement responsable qui va vous libérer ou pacifier notre province de Kasaï. Ça ne va jamais y arriver. Avec un goinfre tel que goinfre radin même, comme Félix Tshilombo, et ce soit des conseillers, ça ne va jamais arriver. Je m'adresse à vous, les soi-disant Kassaïens, richissimes, qui êtes partout à travers le monde, qui vous cachez en Afrique du Sud, en Europe et partout. Que faites-vous de tout ce diamant que vous avez vendu et que vous continuez à vendre? Seulement boire, manger, épouser des milliers de femmes que vous ne supportez pas d'ailleurs parce que vous êtes connus comme étant les plus grands irresponsables familiaux, vous les Kassaïens. Que faites-vous? Acheter des armes, imiter l'exemple des Kivusiens qui se sont toujours battus depuis que le Congo est Congo. La plupart des guerres qui éclatent au Congo ne commencent que par l'Est. Et nous, les Kivusiens, nous nous sommes toujours battus avec les moyens de bord. Pendant que nous ne sommes pas riches que vous, nous nous sommes toujours battus contre les Rwandais, contre les occupants. Et pourquoi ne pas nous imiter et libérer nos deux Kassaï au lieu d'aller engager des discussions inutiles, des débats politiques à la télévision où vous parlez le français, vous voulez montrer tous les cours de droit que vous avez appris pendant que vos provinces se vident. Vous n'êtes qu'une bande de fanfarons, vous le Baluba. C'est de la honte que vous soyez partout des transhumants. Vous laissez des terres riches du Kassaï. Et vous vous battez pour des postes politiques. CENI, Cour suprême, Cour de justice, Cour de cassation. Vous êtes des conseillers en ces sciences-là, des ministres. Vous détournez les fonds publics que vous n'investissez pas chez vous au Kassaï. Tout se termine dans la boisson et entre les couches des femmes. C'est ça les Kassaïens et les habits.
Que faites-vous de tous ces diamants que vous avez toujours trafiqués depuis l'époque coloniale jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est une preuve d'irresponsabilité. Partout où vous trouvez, vous êtes tous, en majorité, irresponsables, fanfarons. Vous versez trop dans le verbiage, vous ne faites rien. Et aujourd'hui, ceux qui ont toujours dit que un Mulumba ne peut pas devenir président, aujourd'hui, ça se prouve, ça s'illustre, c'est une évidence, à la tête du pays, on a un vaurien. Un traître. Un néant. C'est ça les Kasaï. Et c'est ça les Baluba. Ce n'est pas un langage de haine, c'est un langage de vérité. Je m'en vais finalement m'adresser en Swahili à mes frères du Kivu et plus particulièrement à ma tribu Lega. Amjambo nyinyi wote, tupo tunapata habari mingi natoka Mwenga, Pangi, Walikale na Shabunda kama ba gouverneur ya province de connivence explicite d'ailleurs avec les Chinois na watu wengine sont en train d'exploiter de l'or illégalement et d'autres minéraux stratégiques kwetu. Alafu, nini muko nafanya nini? Pale mukontinue kustaki watu, kudenonse watu. Mukusanyike, muumbe ba grupu ya milisi, kwa gisi mulinde, mudefendre udongo wetu. Je parle de Pangi, Walikale, Kiabunda, la popote. Comment voulez-vous seulement vous mettre à vous victimiser, à pleurer, au lieu de défendre nos contrées-là? Il y a bizarre, il y a tourné. Parce que vous voulez devenir leur serviteur. Gouverneur mwenye iko na tuma ba chinois mbili tatu ine tano na motogari bipo na kia kuexploiter zaabu na ba minere ingine. Munapasha kumonyesha nyota. De quelle façon? Sababu inchi haiko gouverner. Vous devez tuer, mnapasha kuua bale watu wanakuja ku exploiter baor kwetu. On ne refuse pas kama banakuya, réellement banakuya na ma machine, na ma vyombo ya kwanza ku exploiter et puis créer de l'emploi chez nous. Et organisez-vous en syndicat kwa kisi. Basi mulipe mishahara ya umaskini. Vous devez réclamer ba salaire mshahara ya mzuri. Na kama awa créer emploi muwe ba chinois, on ne vous fera rien. Parce que ba chinois na bobi kwa na wa batu kwetu. Si mko na ba image kuna pita mu ba réseau. Konye biko ba na wa batu ba na wa mtu aya kata pumuzi ba na muziki. L'État n'intervient pas. Il n'y a pas de poursuite judiciaire. Na maisha mtu ni chapal. Faites la même chose contre na mtu ona ngani ukimbia. Utilisez ce qu'on appelle mu Bible la loi des talions. Macho kwa macho, meno kwa meno, mtu anakuuma umuume. Mtu anakuangalia vibaya umuangalie vibaya. Il n'y a que ça comme langage que
adui anafaka kutibu. Kama ukufanya vile, atakuonea, atakupandia, atakusaga. Et c'est ce qui se passe. Vous passez votre temps à accuser. Mouwe, naba policier mi kuna kuya. Naba soda mi kuna kuya. Biko, bon accompagné, bal ba pierre. Vous devez le tuer, mouna bawo na mouna kimia mupori. Ils ont qu'un satellite pour aller vous détecter dans les fonds fins de la forêt. Constituez-vous en milice pour vous défendre. Sinon, mutakuwa saba kasayen. Mungu muna fata bitu tukuna pitikana kasayi. Muna pesha jua, nyewe muna ndaku bakanesa, muna ndaku kusale. Kusale mungu punya fakumu, kumusedia. Mujue kama, inchi ya Israel, nye muna sikiaka kati ya Biblia, n'a pas existé. C'est romantisé seulement dans la Bible. Il y a un roman, mon Bible, a coexisté, ni wongo mtup, wafaku mambia, na nye kukati ya Biblia. Inchi ya Israeli, ilianja, mumiaka 1945, na presidente wa kwanza, ayikuwa mtu mfupi sana pigme, jina yake David Ben Gurion. Wale watu sababu ya uongo wao, Mayahudi, sababu ya uongo yao, sont parvenus petit à petit ya kukamata udongo ya Waarabu ile yenye tunaita leo Israel. En flattant et en corrompant la communauté internationale, wenye waliwasaidia, walikuja kidogo kwa kidogo, wakakamata ile inchi ya Waarabu, kuanja kuwaua, na mpaka leo wanawatawala. Sababu, Waarabu balikuwa banaifu, et non pas su se défendre. Balikuwa tu toujours pale, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, pandaki mwana pika masase, Allah akbar. Allah yuko wapi? Bana mnyanganya udongo na nyimu kuna priye. De namna moja, Watuti yuko nafanya kwetu. Watuti yuko nakuya, biko manaitilize, bali itilize, ce que j'appelle psychologiquement, le complexe mosaïque, le complexe de Moïse. Anakupatia mtoto yake, bibi yake, wanjo kumutongoza, na yana ikala pale kuna kongoje. Anakuambia uni dada yangu, muingie tu mukati ya Biblia. Ile muangalie complexe mosaïque ya Moïse. Anasema, anakuya, Egypt, anakuja kuinchi ya Misri, anamwambia mfalme Farao, anamwambia no, Sara ni dada yangu, haiko bibi yangu, ni dada yangu. Umukamate tufanye na bitu tunafanya, unapenda. Fanye busharati kitu tunapenda. Wakati nataka kwenda kwao, banampatia na bangombe, na mazabu, na hivi na hivi. Mwisho ndio anasema no, huyu Sara ni kaka bibi yangu. Le Rwandais utilise la même technique. Le complexe mosaïque, le complexe de Moïse, il y a flatterie, il y a tromperie, parce qu'il poursuivait un certain objectif. Na wakati, anaona, anata kupati l'objectif, anakuwa, anakamata vitu vyako, udongo wako, nyumba yako, na bibi yako, na batoto yako. C'est le même complexe que les Rwandais utilisent partout. Na nye, comme naïf que vous êtes, kila siku kondaka kukanisa, muko na kuprie. Je vais aborder ce côté-là. Alors, Mayahudi wanakuya wanakamata bana nyanganya incha ya nani ya Barabu. Mpaka leo, vite nikawa tujuku kumwenu ria. Sababu, Waarabu, muko wanaomba incha yao. Mais parce qu'ils ont été naïfs pendant longtemps, leo wanawatawala. Et ça devient difficile dans la géopolitique, dans la géostratégie, kwa kisi baranverse situation. Sababu, l'occupant a déjà occupé tout le terrain. Et parce que vous n'avez pas de forces égales, ils n'ont pas de forces égales, ni diplomatiques, ni militaires. Israël, moderne, énergie étendre partout, et ils vont les engloutir. Sababu, bangar va continuer par se dire Allah Akbar, Allah Akbar.
On ne peut pas négocier avec les Rwandais, avec les Tutsis, avec les Ougandais, avec les occupants en général. Il n'a pas tout pigane na abu. On a couillé pour exploiter or ou quoi non. Et vous, vous le laissez partir. Mon avant la banane, la musique, y a bas or, y a bas coltan, na on a bas chilia. Tuez-les. C'est ça le langage que j'utilise et que je voudrais que vous utilisiez. Vous devez tuer les occupants et les envahisseurs. Il ne faut pas les caresser dans le sens du poil. Ni voit tout ça à Sisi. La kina, avec quoi nous goûtons, on a peine. C'est la survivance des plus aptes. Mwangalie mouparke. Nyam, mouparke ou bien moupore. Nyama nye konguvu, inakule ngine nyama. C'est ça, la théorie de la survivance des plus aptes. Kwa kisi, chui, simba, aishi, akulake mayani. Anakulake ngine nyama. Anamesa damu yake, anakula minofu yake. Na kesho yake, kesho kuto atafanya même chose. Jusqu'à ce que Mbuluku, jusqu'à ce que Njiko, il t'a comprendre, il t'a sikia que non, il n'a pas de te défendre. Chui, simba ni nyama saa ingine. Kama na mchoma, kitu mwe itamumiza, atakimbia. C'est la même chose avec tous les envahisseurs. Et ne pas passer le temps, mounenda kukanisa. Tunasikia kama lulingu kuko explosion ya or. Mwevite musikuwe sa baluba, sa bakasayen. Baluba diama kwa bo explosion. Diko wapi? Nikutongoza waramuke tu. Nikununua wa metokari 4x4 kwa kujionesha mubarabara. Ni kushirishe kuekraze cela qui n'ont pas eu ce diamant, c'est tout. Na mwisho biko na nini? Hakuna hata kitu, hakuna hata nyumba, hakuna hata njia. Baluba tangu Mobutu alikuwa. Alors que la plupart ya watu wao kwa natumika na Mobutu à 80-90% ni Baluba. Mais il ne pouvait pas dire à Mobutu tujenge njia kwetu. Tujenge hospitalini kwetu, tujenge masomo kwa watoto. Tufanye hivi na hivi, tujenge ba magazin. Rien. Ni kulala banamuke, ni kukunya pombe, ni kuvala nguo, kuvala viato, kukamata ndege na kutembea popote duniani. Et la fin, chef de file yabo wa corruption, Etienne Tshisekedi, anasema no ni Mobutu, njo mwenye, iko na makosa. Mais lui était son bras droit numéro 1. Il était le numéro 2 du Empire jusqu'à ce qu'il kufa. Inaonyesha combien biko irresponsable. Alors, kule, lulingu, mwenga, popote kamituga, zaabu natoka. Vous devez avoir un sens entrepreneurial. Unaweza kukusanisha makuta. Ba machine inyina faa kujenga nyumba, sa se va sur l'internet, munatia pesa pamoja, munatuma ba delegebe nye biko honnête. Kwenda kununua mashini kidogo kwa kidogo mbili tatu ine inakuya kutengeneza njia. Ne pensez pas que tuko na siasa, tuko na gouvernement qui va s'occuper de nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis nous devons pas dire parce que kuko vita atuweza kufanya kitu. Non. Allemagne wakati wa vita c'était l'unique pays mubulaya enye ilizidi kujidevelope pendant que biko wanapika na vita. Allemagne ilikuwa nchi ya kwanza kwenye kwa banajenga balijenga ba autoroute mu dunia mzima. Allemagne pana kizete angea. Na sisi pia tunaweza kufanya la même chose. Lulingu chonka popote kwa tunasema oro inatoka mingi. Isikuwe or ya kupatia kama mizisie ba muimbe. Ya kupatia kama fali ipupa ba olomide ba muimbe. Kama bana kuimba unapata nini sasa? Soyez des entrepreneurs. Mwanje kukusanisha le pesa. Cherchons des experts. Kujenga nyumba. Afin njia. C'est rien. On sait où acheter le goudron. On sait comment acheter les machines. Mais kitu nakosa ni zaabu. Ni pesa. Donc vous devez faire très attention. Même quand yon mwanza kupatia bangiri ba franga na barakimbia nai. C'est comme ça que che watu mewusu tuku. Mais tunaweza kujenga nyumba njia bila un gouvernement responsable. Tunaweza kujenga kama tunasikilizana.
Musikuwe samba kasayen, muna pata bazimu, kukunya lutuku, kukunya libondo, kuwa mwanamke kama ngapi, ela fe, hauna kitu. Kesho yake, unaenda kukanisa, uanja kusali. Apropo de kanisa, wandugu, muna pata kujua kama, makanisa, ba asbel, ba fondation hivi na hivi yote iko ba service d'intelligence ya wadui tangu kanisa iko mukongo kazi yao ni kukolekte ou collectionner ba information kwa kutuma kwa watu wao wanatuma pale mwangalie leur train de vie wanaishi vizuri sana. Il y a ce que vous appelez mission catholique, mission protestante. Ils sont quelque part, banajenga manyumba matofali, kuko électricité kwabo, kuko maji iko purifié kwabo, wanakula vizuri, wanakunya divai, wanafanya busharati kule kule ku mission kule, na kuko wale batu ba hypocrite banamuki kuko najita kaba, unetaka kaba masere, bon, ce sont les sœurs. Ni wabibi wa mapadiri. Kazi yamo banalaka pamoja. Oh kule ile ni kaya ba maser, ile ni kaya ba frere. Bongo ni ba bwana na ba bibi. Kazi yabo ni busharati. Vous n'allez pas là-bas pour contrôler ce qui se passe. Kama ser moya anapata mimba, mutasikia kiisha mwaka oh anaenda alienda mafungo. Dada tela anaenda mafungo. Alienda mafungo, aenda njoo kuzala. Na wengine wanazalaka pale kumisioni ya mjue. Anaenda kuzala, anapata konja maternité ya 6 mois ya 5 mois ubia ane mzima, wakati mwili inajiretablir, anarudia, anakuya kwenu. Oh, sera alirudia, masera alirudia. Ni mwanamke wa padre tel. Mwanamke wa padre tel ni bwana ya ser ya tel. Na kazi yabo ni kumuvigile kuangalia tabia yenu mko mnajikomporter namna gani, vous produisez quoi, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous voulez vous révolter, est-ce mko mnajogaza namna gani, na biko bana tuma ile ba information yote ku wale watu wao walitumiaka pale. Entre temps biko bana mupie musome kibarua kya bwana Leopold D yenye alitumiaka ba missionnaire ba kuyaka ku Congo. Ile barua inasema vitu yote. Alo mwashe medemana munenda kukanisa kufanya nini? Nye watu weusi. Nunda fani ni ukanisa. Alafu ki ile barua inasema, muende ku watu weusi, muba exploite, mulale ba bibi yabo, ba mulete mayai na mbuzi kumisyo yenu. Mufungule ba boutique kwa gisi mutransforme ba misyo yenu en centre commercial na mutume franka watu kwetu kumetropole kunye mulitokeaka. Kama mtu mweusi anafika kwako, umupatie sigareti, usimpatie kiti. Kama anataka kusimama kufungula macho, umupike fimbo. Mese sekele, bazungu walisemeka, na biko bana zidi kufanya ile kitu. Alafu, nye munendaka kukanisa kufanya nini? Nye balega, nye baluba, nye bakongo, munendaka kufanya nini kukanisa. Alafu, muzungu alimwambiaka bitu yote. Tangu bakanisa iko pale kwetu. Keske saa deja fe? Apart ku créer tout ba foyer sociaux, comment ko shona, comment ko suka nyele, oui, biko na mudreba comprimé, bana fula tu ba dispensaire, à part ça, développement quoi. Kati yabo kuko ba ingénieur be bana joa ori hotel place, enda ni hotel place, portain hotel place. Est-ce qu'ils ont déjà ouvert des facultés d'ingénierie chez nous? Déjà ko fula. Et vous continuez à aller là-bas? Et vous ne voyez pas autre faculté, qu'est-ce qu'il faut étudier, sauf que vous voulez devenir des religieux. Oh, tel en a quoi abbé, tel en a quoi révérend, tel en a quoi ivi naïve. Vous gagnez quoi dans ces soutanes que vous portez? Une bande d'hypocrites, na basharat, jokazienu, nye va pas dire. Des violeurs de femmes, c'est ça que vous êtes. Mwenye ndaka ukanisa kufani. Bana kreye, oba mama legionnaire, oba bako, bako riste.
On vous fait passer du temps pour rien. Au cinquième jour, l'avenir du monde n'est pas dans la religion. L'avenir du monde est dans la science ou les sciences. Après, on a eu le connard classique. On a eu le connard, on a eu le connard. Bana mo filmer ba coral monatia mo internet, vous ne gagnez rien dans ça. Vous êtes une bande d'imbéciles, mo pumafu. Mo stopper kwenda ku kanisa, hakuna kitu ku kanisa biko namdanganya. Toutes nos provinces au Congo, inajaba minere. Normalement, il a fallu ba faculté yote ku université. Tuanje kufundisha batoto qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que le diamant à partir à école primaire. Bakuri anam na ile ingie. Moi, je me demande toujours, ba branche telle que récitation, religion, inye inga na toke mpaka leo kuba bulletin yetu mu programme scolaire yetu, à quoi ça sert? Récitation Johnny. Comme on a déjà pour réciter les corbeaux et les renards, oui. Bon, nous, nous avons récité ça jusqu'aujourd'hui, je peux vous réciter toute la récitation. Bon, après que j'ai emmagasiné ça dans ma tête, j'ai gagné quoi? J'ai gagné quel prix? Et je ne suis pas différent d'un perroquet. Si je dois reproduire la même histoire que La Fontaine a écrite, il n'y a que quoi, yake d'abord, parce que bah, la plupart des textes de La Fontaine, elle indique qu'il y a quoi, yake. C'est peut-être vous, je vous l'ai dit aujourd'hui, et vous voyez, même quand mon texte, ma pièce théâtrale, il y a Shakespeare, l'anglais, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas. Bon, quand vous commencez à réciter, il est vite, notre Père qui est aussi, Ivi Naivi, oh Bikira Maria, Maman Wayeso, quand vous récitez ces histoires-là, ces prières-là, mon apataka nini. Alors, nous continuons. Avoir ce genre de branches où ma bulletin va tout être. Récitation, on n'a pas taïvi. Religion, on n'a pas taïvi. Et comme ma branche, moi, tu n'as pas chaque touche à un programme scolaire et tout. Ça ne nous sert absolument à rien. Parce que, vu qu'on a tout écarté, la réalité, il y a monde, il y a développement. C'est toujours eu le même programme scolaire tant que l'époque coloniale, pas qu'à Léo. Je ne sais pas comment programme scolaire. Alors que nous avons des docteurs en ceci, docteurs en sociologie, docteurs en pédagogie, docteurs en ceci, cela, qui ne révisent pas ces programmes scolaires. Il n'y a pas colombe à la tchèque parle. Il quoi désigner seulement pour nous écarter de réalités scientifiques et faire de nous des perroquets. Et nous sommes là, nos maîtres en droit, docteurs en droit, docteurs en sociologie, bullshit. Normalement, nous devons revoir programme scolaire yacht à partir école primaire. Mon école primaire déjà tu inguise batoto ou ba réalité y a science. Pour la pas chaque fois ba cours, il y a une inguise batoto pour science et ne pas attendre ba inguie qu'au cycle d'orientation, après deux ans au cycle d'orientation, nous avons divisé ça dans biologie, physique, chimie. Non! Programme, il n'a pas choisi qu'à l'école primaire. Et il faut qu'il y ait des échantillons dans des écoles. Quoi que ce soit, Toto, Bakamate, Gou, Yakujua, Mali, Yainchiapo. Bajoué, Mbaou, il n'a pas qu'à servir Kunini. Maji nafaa kusevi kunini. Udongo importance ayo ni nini? Sila inatoka kwa wapi? Tout ce que nous fabriquons, cela qui fabrique inatokeaka ku minere gani. Tout ça, on doit initier ça dans les programmes scolaires, au lieu de passer le temps dans la littérature, en train de raconter des choses, docteur en ceci. Docteur, bon, on a quoi docteur en droit, on a quoi maître en droit. Tu changes quoi? Dites-moi, tu changes quoi? À part que tu piques à Kifoua et faire sortir des articles de droit civil que tu as appris, que tu as gobé pendant des années pour ne rien faire. En fait, programme scolaire est touché par Africains. Ce sont des usines de fabrication de chômeurs et de perroquets. Et ceci est man de moi. Vib. Je m'adore Vib Kilkilele. Pour le Congo et le Mumba.
de Kassavubu, de Kimpavita, de Kimbangu qui n'était pas religieux, qui n'a jamais créé un religieux, de tous les Congolais qui se battent et de tous les martyrs congolais qui se sont battus pour que la nation congolaise soit. Bonne journée. Ba Congolais nyo soto ba ngba iba il faut battre la racite nini. Ah, soko uzali Congolais a solo et singeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Osasi. Soko di Congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote et singeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za Congolais a solo. Yango wana. Papa kunzeta lobi yango. Foko tala ka. Tina yangu ngai pena yeba kama kambo makolega kuna na bosa na te. Utala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali Congolais so ata ba mendele kwa kiko tala. Congodialogue.com.